C'est ici à Darla, dans le sud marocain, que s'est tenue la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par le créateur nigérien Alpha Dee. Une édition placée sous le signe de la jeunesse, où de nombreuses conférences et des défilés ont rendu hommage à cette jeunesse qui fait le continent africain. Derrière moi, ont défilé sur ce podium en forme de croix d'Agadez quelques-uns des grands noms de la mode faite en Afrique. Venus soutenir cette initiative lancée par le visionnaire nigérien. Alors que du bonheur, c'était vraiment, on était épatés par ce qu'on a vu. C'est vraiment grand ce qui s'est passé ici et j'espère que ça va rester vraiment dans les mémoires. Et puis je pense aussi que les Marocains ont fait fort hein, en acceptant quand même ces FIMA-là ici. Surtout le niveau de l'organisation. Donc je pense que pour l'avenir, la mode africaine je suis très contente de cette 20e édition, surtout quand je vois que plusieurs nationalités ont défilé et participé aux conférences. On sent qu'il y a une diversité africaine. Vivement la prochaine édition. Le FIMA 11e édition, c'était également les 20 ans de cette manifestation qui célèbre la mode en Afrique. Et ils sont venus ici tous, le public nombreux, mais aussi les professionnels, dire que la mode, la culture est essentielle au développement de l'Afrique.